Yo les gens, c'est Blackbird HD. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve sur Black Ops 2 en guerre de territoire sur Overflow en domination. Donc, dans cette partie, j'étais en solo, donc je jouais tout seul. Donc, pour l'information, c'est une tentative plus de 100 kills. Dans cette partie, je jouais à la Type 25 Charge Rapid Cross. Donc, la Type 25, une arme qu'on voit pas beaucoup sur le multi et sur YouTube. Donc, je trouve que c'est. J'innove un peu, on va dire, sur ma chaîne, je propose des armes un peu plus variées, on va dire, parce que j'ai pas mal proposé de la N94, voilà, MSMC, des armes un peu faciles. Et là, aujourd'hui, franchement, je vous présente un très 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 bon gameplay, selon moi, il est vraiment énorme. Et voilà, donc je vais vous présenter la suite de ma classe, donc Type 25, comme je vous l'ai dit, chargeur rapide cross, le Cap 40, bon, désolé pour ceux qui aiment pas le Cap 40, c'est vrai que je vais pas mal l'utiliser à un moment, vous allez voir. Et voilà. En atout, j'avais gilet pare-balles détermination, pillard. Et en atout 3, j'avais dextérité, le C4. Et en série de points, la micro-station orbitale, les chiens, les groupes de chasse qui sont pour moi les meilleurs score streak pour tenter un plus de 100 kills solo. Je dis bien solo. Après, si vous êtes en groupe, vaut mieux enlever la micro-station orbitale vu que vos alliés jouent un peu. Jouer avec, tout simplement, ça sert à rien quoi. En gros. Donc voilà. Donc cette vidéo. Je vais tenter de l'envoyer à une chaîne, donc c'est pas une chaîne communautaire, hein, c'est une chaîne, c'est la chaîne à Titane, donc j'espère qu'il m'acceptera, mais je pense qu'il m'acceptera, pardon, waouh, j'ai bugué, j'espère qu'il m'acceptera sur sa chaîne. Normalement c'est bon, hein, il m'a dit ouais, voilà, donc c'est bon pour le gameplay, donc je t'envoie ce gameplay, Titan, tu me réponds, tu me dis ouais, si ça te plaît. Enfin, perso, moi je pense que ça peut être pris, hein, il est pas trop mal le gameplay. C'est à ce moment là, je crois, les gens, que je vais pas mal prendre le Cap 40, ouais, c'est là. Là, je vais pas mal, il va y avoir une séquence d'au moins 30 secondes, une minute, où je vais enchaîner les ennemis au Cap 40, vous allez voir, c'est violent. Enfin bref. Donc je remercie encore Titan s'il me upload, hein, ça fera super plaisir. Ça me permettra d'augmenter mon nombre d'abonnés, d'augmenter ma communauté YouTube. Hein. Je pense que ça ferait plaisir à plein de petits YouTubeurs comme moi de prendre des abonnés, tout ça. Donc voilà, je le remercie encore une fois. Donc dans cette vidéo, on va parler de quoi? On va parler d'un petit sujet. Hein. J'ai pas préparé de sujet, mais voilà, on va parler un peu de tout et de rien. Hein. On va parler un peu de Ghost, les gens, on va parler de Ghost. Qui sort le 5 novembre, si vous le savez pas. Donc voilà. Pareil, tiens, je vais dire dans cette vidéo quelle console je vais acheter. Je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo d'avant. Enfin bref. Je pense que ça sera PS4, les gens, hein, sérieusement. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai tout le temps été Sony. J'ai eu la PS1, la PS2, ou la PS3 en ce moment. Donc voilà, je pense pas que je vais changer. Hein. Ça sert à rien. Après j'irai peut-être sur Xbox, enfin franchement je pense que ça sera PS4, mais ce qui y a un truc qui me fait chier un peu, j'ai envie de dire, c'est que sur PS4 il n'y a pas de serveur dédié, donc je sais pas si c'est c'est Activision, je crois, ils avaient dit qu'ils avaient mis les serveurs dédiés sur Xbox One mais pas sur PS4, donc ils l'ont pas annoncé, donc peut-être qu'ils le mettront un peu plus tard que sur Xbox One, je sais pas. Mais je sais pas trop, donc voilà. Donc la PS4, comme je vous ai dit, hein, je pense que ça sera ça. Sinon, j'espère que vous avez aimé aussi ma dernière vidéo. Hein, donc le plus de 110 kills, pardon, sur Black Ops 1. J'espère que ça vous plaira. Enfin, j'espère que ça vous a plu, pardon, qu'est-ce que je dis? Je dis que de la merde. j'espère que ça vous a plu. Bon, il y a eu pas mal de retours positifs, hein, faut le dire. Et voilà, donc je vous remercie, hein, mon nombre d'abonnés augmente un peu tous les jours, donc la communauté, j'ai envie de dire, s'agrandit, et je vous remercie tous pour venir sur ma chaîne et venir vous abonner. Je vois que ça plaît à des gens, donc ça fait super plaisir, parce que franchement je fais pas un boulot monstre, hein, faut pas croire, hein, ce que je fais c'est pas vraiment très difficile, hein, voilà, n'importe qui peut le faire, il suffit juste d'avoir un boîtier d'acquisition. Bon, après, les gameplays que je fais, et ça, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, ça c'est sûr, mais voilà, n'importe qui peut acheter un boîtier, puis du jour au lendemain faire des vidéos. Donc, je trouve pas ça un truc de ouf, même s'il y a des gens qui s'abonnent, donc je suis content tout simplement.
Donc là, la première manche va se terminer. Donc là, j'ai eu un fail de shoot. Et là, au passage, vous avez vu, nucléaire. Donc j'ai obtenu ma nucléaire. Donc j'étais super content. Je l'ai fait assez rapidement. C'est en 5 minutes, ouais, je l'ai fait en 5 minutes. Bon, en même temps, je joue avec des killstreaks létales. Donc c'est un peu plus compliqué que du non létal. Enfin, c'est un peu normal, quoi, que je l'ai un peu moins vite. Donc voilà. Sinon, dans cette vidéo, je vais parler de quoi? Donc là, je fais du 86-1. Donc franchement, la partie était très bien entamée. Hein, j'étais super content. J'ai regardé les scores, j'ai dit waouh, super 86-1, c'est nickel. Le plus de 100 kills, il est assuré, ça va faire mal. Même si cette deuxième manche, comme vous allez pouvoir le constater, est pas si. Elle est pas autant belle que la première. Franchement, la première, c'était pour moi la plus belle. La deuxième, je vais moins enchaîner. Après, voilà, chacun son avis, mais je trouve que j'ai beaucoup moins enchaîné sur cette deuxième manche. Sinon, donc on va parler de Ghost, hein. Je vais parler un peu de PS4, Xbox One, donc là moi ça sera peut-être PS4, je pense même sur PS4. Donc Ghost, ah oui, je voulais parler d'un truc aussi avant Ghost. Il y a un truc qui me fait chier aussi, c'est comme je vous l'ai dit, Ghost sort le 5 novembre et ils ont sorti les consoles next-gen après le 5 novembre. Donc ce qui fait chier, c'est que voilà, quand un nouveau Call of sort, là au passage je meurs comme un con. Si je serais pas mort là, franchement, je vous l'aurais dit, je vous le dis, hein, j'aurais fait largement plus de kills, hein, ça c'est sûr et certain. C'est sûr, ça. C'est sûr. Wow. Désolé pour le commentary un peu merdique, hein, je suis pas très fort en commentary, hein, Titan pourra vous le confirmer. Mais là, au passage. Oh, là j'ai eu chaud, mais là je suis mort après, je crois. Ouais, c'est là que je suis mort. Enfin bref. Comme je vous l'ai dit, la deuxième manche va pas être terrible. Hein. Donc je reprends, oui. sur Ghost, donc Ghost sort le 5 novembre et les consoles next-gen PS4 Xbox One sort après le 5 novembre. Donc en fait, pour ceux qui aiment bien Call of comme moi, qui aiment bien y jouer dès le premier jour de sa sortie, bah en fait vous allez être obligé de l'acheter sur PS3 ou Xbox. Et après, bah voilà, on a tous envie d'avoir les nouvelles consoles, donc on va revendre Ghost sur PS3 ou Xbox. Pour racheter encore la console next-gen et racheter encore Ghost, franchement, ça c'est un truc qui me saoule. C'est pour ça que j'aime pas trop quand il y a de nouvelles consoles, parce que s'il y a des nouveaux jeux et qui sortent avant les nouvelles consoles, bah c'est un peu chiant. Je trouve que c'est dommage qu'ils aient sorti les consoles next-gen après Ghost, mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. J'ai envie de dire tant pis. Mais ils ont bien rectifié le tir parce que j'ai vu un petit article sur jeuxvideo.com, hein, pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît. Où il y aurait eu une annonce de Activision, je crois que c'est Activision qui. Ouais, c'est Activision qui fait Black Ops 2. Black Ops 2, qu'est-ce que je dis? Ghost. Et ils ont dit que si vous achetiez. Si vous achetiez Ghost sur PS3 ou Xbox, et que vous après vous vouliez l'acheter sur Xbox One ou PS4, et ben au lieu de l'acheter 70€, bah. Vous l'achetez que 10€. Donc j'ai vu ça sur jeuxvideo.com. Après, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est là que je vais commencer un peu à enchaîner vite fait là vers la fin. Mais je vais quand même mourir pas mal de fois dans cette deuxième manche. Hein. Elle est pas terrible. Hein. Mais bon, je m'excuse un peu pour cette deuxième manche un peu. Enfin, elle est pas catastrophique non plus, mais elle est quand même belle. Enfin bref. Donc là, on va bientôt arriver au terme de la vidéo, dans 2 minutes à peu près. Donc je remercie encore Titan s'il me plaude, hein, ça me fera super plaisir. Et voilà. Ah oui, je vais me présenter aussi pour les abonnés de Titan, hein, parce que je me suis pas présenté. Donc moi, c'est Blackbird HD. Hein. Sur le PSN, vous pouvez m'ajouter, c'est Blackbird HD comme c'est écrit sur ma chaîne. Bon, de toute façon, je demanderai à Titan qu'il mette ma chaîne dans la description de la vidéo. Donc moi c'est Blackbird HD, en IRL j'ai 16 ans, je joue à Call of Duty depuis 3 ans, donc depuis Call of Duty Black Ops, je fais des vidéos depuis environ 5-6 mois, et j'ai en ce moment même, 280 abonnés, donc je trouve que c'est pas trop mal. Je propose des carnages voilà, sur les anciens Call of Duty, donc pour ceux qui aiment les gros massacres sur les anciens Call of, bah ma chaîne est faite pour vous. Après, je propose des plus de 100 kills et nucléaire sur Black Ops 2. Et sur Ghost, j'essaierai de proposer plein de Moab avec plein d'armes différentes. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir du massacre sur le prochain Call of, franchement, ne ratez pas ma chaîne, ça va être du lourd. Hein. Franchement, je vous le dis. Donc voilà.
Donc là, la partie se termine. Je finis sur du 142-7, les mecs. Donc c'est un plus de 140 kills solo. Donc je remercie encore les adversaires qui étaient nuls. Non, je déconne. Enfin bref. Donc c'était Blackbird HD. Moi, je vous dis à la prochaine. Encore merci à Titan s'il me plaît. Désolé pour le commentaire un peu merdique, Titan. Hein, et pour vous, les abonnés de Titan, désolé pour le commentaire qui est vraiment pas terrible. Mais je suis pas très fort en commentaire. Enfin bref. C'était Blackbird HD. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.